Tu peux y aller. Alors voici Folie Douce. On retrouve cette Folie Douce, effectivement. La Folie Douce, sans doute. Alors on aurait pu penser que c'était en hommage aux élites qui sont sur les pistes de ski, notamment à Val d'Orens et à Val d'Isère. Mais c'est plutôt la. Oui, voilà, marché, c'est la plus simple, effectivement. C'est plutôt la. Comment dire, la série, la thématique utilisée par Daniel Lacassagne et Laurent Dabzac. Puisque nous avons ici la sœur de Félix Fofolle, frappée, fracassée, furie, flinguée, fendue, flambée. Il s'agit ici du 13e et avant-dernier produit en date de cette extraordinaire matrone qui est Folie du Pécos. En l'occurrence, une fille du Caproc. La fille du Caproc, un éternel de France. D'accord. Folie, qui nous, Folie du Pécos, malheureusement, qui nous a quittés l'an dernier, après la naissance de Furieuse, son 14e, et donc celle qui sera son ultime produit. Parce que voici le 13e, donc sœur de multiple championne. Et alors, incroyable, c'est de Folie Douce qui a fait une quantité de femelles, quasiment que ça. Elle a fait un mâle d'entrée et après que des femelles. Moins. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour la suite. Regardez, voici la fille de Caproc et Folie du Pécos. 28,70%, elle est née le 30 mai.